Et salut Lilith, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, troisième semaine d'affilée qu'on fait un rasso. Aujourd'hui on se retrouve à Malines, juste à côté de la ville de Pute, oui oui, ça existe. Et nous sommes en direction du Hall of Fame, allez on se retrouve là-bas. Et je suis seulement sur le parking. GT86. Ouais, la Mazda 3 est bien stance aussi. Par contre la taille du spoiler. Oh là là, GT86 avec le kit large. Ok, donc je viens à peine d'arriver, il y a déjà une RX7 FD, j'adore, une Turbo 926, F430. Waouh. Oh, ça fait déjà 5 minutes que je suis là, à part la F430, j'ai toujours rien regardé d'autre. Ok. En vrai, je suis content parce qu'il n'y a pas de musique, du coup ça c'est cool pour la vidéo. Par contre, il fait un peu sombre pour les photos, mais c'est pas grave, hein, je vais me débrouiller. Voilà, Queen, j'ai déjà vu plusieurs fois. GS300, ça j'adore, M2, et franchement ce que j'adore, hein, c'est que il y a de l'espace, les voitures elles sont pas collées, tu sais faire tes photos tranquilles. Oh, l'Opel elle est sympa aussi. Sacrée jante, bon pas trop mon style de jante, mais voilà. Ah, Ultrace, ça c'est en Pologne. J'aurais bien voulu aller à la Ultrace cette année, mais c'est sold out. Et puis j'ai pas de congé cette année aussi. Oh, la GS300 c'est vraiment une caisse que j'adore. Je me demande si c'est... Enfin, si c'est M300, normalement c'est un 2JZ. Après, il y a des 2J... Attends, les volants à droite, il y a peut-être moyen que ce soit un 2JZ GTE d'ailleurs. Même que dans Supra, en version turbo. Alors ça me fait rire, hein, parce que les événements s'appellent Hall of Fame. Oui, ça plaque, c'est Fuck Fame. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, j'arrive pas à savoir si c'est du vrai carbone. Non, sur le toit c'est un wrap, le spoiler peut-être. En tout cas, la S13 ici, je suis persuadé de l'avoir déjà vu drifter quelque part. Peut-être au BDG. D'ailleurs, j'y vais normalement. Oh ouais, putain. Qu'est-ce que j'ai envie de savoir drifter et d'utiliser ce genre de caisse. Ce qui est rigolo aussi, c'est que quand tu lis la description de l'événement, il écrit pas de voiture endommagée. Bon, à mon avis, celle-ci, ils ont fait exception, vu que c'est une drifteuse. Ah, elle est réparée de partout, carbone, capot en fibre, ça se voit. Par contre, la petite prise d'air dans le pop-up, je sais pas ce qu'elle refroidit. Je sais pas du tout ce qu'elle refroidit. Ah, j'avais pas vu les motifs Louis Vuitton. Ouais, ok. Ici tout le tableau de bord était fait en Alcantara, ça se voit. Ah, elle est vidée à l'arrière, elle était bleue de base d'ailleurs, pas orange. Alors, à mon avis c'est un wrap, ouais c'est un wrap, ça se voit. Par contre je comprends pas l'intérêt de mettre des fausses ailes en carbone forgé, je trouve ça bizarre. Et alors la taille du spoiler, ça me fait très très rire. Ah d'ailleurs il est réglable. C'est gros. La RX7 FD, magnifique. Import du Japon, ça se voit pour chaque arrière, volant à droite. Et quand tu regardes sur le côté, les petits déflecteurs d'air comme sur Need for Speed. C'est très drôle. Prendre la taille du pot d'échappement. Ouais, non, la RX7, c'est vraiment une de mes japonaises préférées, ça c'est sûr. Elle est magnifique. Trop belle. D'ailleurs, pour vous dire à quel point... D'habitude, je fais jamais ça. D'habitude, je fais toujours un tour de tout l'événement. Après, je commence à filmer. Là, bah, ça fait bien 15-20 minutes que je suis toujours ici. J'ai fait 5-6 voitures, pas plus. La Golf 3 GTI. En plus, celle-là, c'est une version US, ça se voit. La petite Subi juste à côté. L'Opel Rally. Et alors que celle-ci, la Golf, avec des jantes de Porsche, on dirait des jantes de Macan. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que là, elle est pétée. Et alors, le capot, il est super bizarre. Il dirait qu'il a été réparé de partout, le capot. Par contre, c'est du vrai carbone. Hein. Ça se voit à l'aile. En plus, le pare-brise est pété, c'est dommage. Par contre, celle devant, elle squatte. Waouh, j'avais pas vu les tubes qui font l'arceau. Ils sont super larges. Il y a comme des belles caisses. Je suis toujours pas allé au bout. Le RSQ3 aussi, en rabaissé, je le trouve vraiment beau. Franchement, il a une sacrée gueule quand il est rabaissé. Alors la 208, elle a un kit large, ça se voit surtout à l'arrière. Les petits underglow, j'aime bien. Suppression d'essuie-glace arrière, le petit spoiler. Feu translucide, je pense que ça c'est une modif. Et alors les E46, j'en ai de plus en plus. Je commence de plus en plus à l'aimer les E46. S14 avec un kit Rocket Bunny. Donc kit Rocket Bunny, tu supprimes le pare-choc arrière, tu mets un gros diffuseur, un petit sticker Speed Hunter et c'est parti quoi. Et alors, normalement, la face avant est totalement modifiée aussi. Ouais, la face avant est tellement modifiée qu'on dirait une chargeur ou un truc comme ça. Parce que tout l'avant est modifié.
100%. Même plus les mêmes phares, tout est modifié sur cette voiture. Après, je trouvais la S14 déjà très belle de base, mais bon, chacun ses goûts. Petite GT86, très très sympa, Golf Cabriolet. Et alors, une Civic. Voilà, la Civic elle a du camber à crever. Et alors, le spoiler sur la Golf, oh, j'adore le stickers. Les stickers comme ça, j'adore. C'est génial. Par contre, je peux vous dire que quand je vois l'inclinaison du spoiler, là, je suis presque sûr qu'il génère plus de traînée que de portance. Enfin, de la portance négative, entre guillemets, avec la voiture au sol. Ici, petite GT86 avec un joli kit. Aussi, très sympa. Et dire qu'il y en a qui vont au Medinaïsa en ce moment, alors qu'ils pourraient voir ça ici, quoi. C'est bien mieux, non? Non, chacun son truc. Petite GTI, Polo GTI avec des Golf, avec petite Polo GTI avec des jambes de Porsche. Et alors, l'Audi juste derrière avec le wrap, elle est incroyable. Ouais, non, les jambes sont géniales. Le wrap ici, je l'adore. En plus, il est vert, turquoise bleu, je sais pas trop dire. Audi A6 Allroad derrière. Une petite Corrado, première voiture avec un élément aérodynamique. Ce petit spoiler à l'arrière qui se levait. Ah non, elle est géniale. En plus, elle fait un peu de DTM, j'adore. Petite Golf 4 R32 avec des jantes hose, un petit center lock à façon Porsche. Des freins Porsche aussi. Et alors ici, le Cupra, franchement, j'adore le spoiler avec le petit LED. A310, une R32 derrière. S15. J'adore les S15, je trouve aussi que c'est une super belle voiture. En plus, la plaque S696. Je vois plus ou moins où tu veux en venir. Petite Civic. Et alors, ce que j'adore, stickers, Rick et Morty, statique. Ouais, ouais, Trump Paid. J'adore les petits stickers comme ça, c'est cool. Très joli Toyota là-bas. Waouh. Ici, on a une Golf swappée avec un 5 cylindres d'Audi RS3. Et en plus, c'est une clean bay, il n'y a pas un câble. Ah, ça doit bombarder. Et alors, la Mercedes sur le tapis d'Aladin, ça me fait très rire aussi. Par contre, la Mercedes comme ça, j'adore les vieux volants. Waouh. Trop classe. Très joli R32, Japanese style Kaiju Club. Franchement, le seul détail que je trouve dommage, c'est peut-être les rétros en carbone vert. En fait, j'aime pas le carbone de couleur de base, tu vois. Je le préfère noir. Je comprends pas pourquoi il est vert. Ah, une Brasilia. Ça, c'est d'office importé du Brésil. Marlboro Low. J'adore les wraps style Marlboro. Brasilia, moteur à l'arrière. Ah, j'avais pas vu, il y a des petits dessins dessus. Bon, c'est pas trop mon truc, mais franchement, je trouve ça... Ça, c'est du beau travail, ça. Ouais. Ah, il y a même la plaque d'origine de la voiture, je pense. Ouais, non, j'adore les E36, mais par contre, elle commence à devenir impayable. Oh, intérieur rouge. Oh, un petit paquet de Marlboro au bas, tiens. Volant en bois, ça, c'est classe. Moi, je préfère les détails en bois qu'en carbone, bizarrement. Ouais, non. Elle est belle, elle est belle. Audi TT, première génération, je suis sûr dans quelques années ça devient un futur collector. Si ça l'est peut-être pas déjà, ça c'est un futur classique garanti, c'est sûr. Et au plus elle vieillit, au plus j'adore le design. J'ai vu la Targa au loin, j'ai arrêté tout ce que j'ai fait, je suis venu la voir direct. Oratium Green, on dirait une Singer en plus. Oh elle est trop belle. Ah ouais non, on dirait vraiment une Singer, en plus les jantes là, le contour de pare-brise, tout. Le fuel au centre, oh, les sièges, tout était refait. Le petit Targa en doré, l'arceau dans la même couleur. Oh non, j'adore. Oh là, c'est mon coup de cœur pour l'instant. Ça, c'est... Waouh. Attends, on peut voir si elle est préparée ou pas. Ouais, une grosse admission d'air en carbone. Oh non, elle est magnifique. Putain, mon rêve. Waouh. Wow. Là, tu vois, ça c'est au-dessus. Ouais, je sais pas si c'est au-dessus de la RX-7. Je sais pas. Je vais vous dire à quel point je trouve cette Porsche magnifique. J'ai même pas vu qu'il y avait une S15 à côté. J'ai pas regardé la RS4 ici. Je suis passé devant la W129 ici, une SL. La Classe C à côté est trop belle avec les petits drapeaux. C'est vraiment le style que j'adore. J'ai déjà roulé avec une Classe C comme ça. Bon, c'était pas la même finition. Quoique. Waouh. Ouais, je kiffe. Ouais, non, vraiment, je reviens pas. Elle est trop belle. Je suis amoureux, ça y est. Oh, c'était rapide. Sylvia avec le petit logo S. Oh, les jantes. Oh, elle est parfaite. Oh, barre anti-rapprochement ici, j'ai jamais vu ça. Oh, ouais. Oh,
Ah ouais, la Escape Torse, trop belle. Bah ici, je suis dans le coin, il y a de la Supra. Attends, il y a une découpe dans l'aile, c'est quoi ça? Je me demande si c'est pas pour l'huile, je suis pas sûr. À voir. Le bar anti-rapprochement. 2JZ, no shit. Si elle est verte. Les petits rajouts en carbone sur le côté. Ouais, bizarrement, j'aime pas ce vert. Bizarre. Import US. Ouais, en plus, c'est une importée. Volant à droite. La porte-plaque à l'arrière, ça se voit. Le spoiler est énorme. Ah, celle-ci, elle est belle aussi en bleu, mais la plus impressionnante, c'est celle en grise, juste derrière. Petite GTI 1.6 litre. Ouais, sympa, les jambes BES. Je vais envoyer à mon père voir ce qu'il en pense. Lui, il a une 1.9 CTI. Et alors ici, la Supra. Et quand je vois les pneus arrière préparés pour le drag, je peux vous dire que celle-là doit avoir de la puissance. Ouais, la taille du pneu, je suis choqué. Par contre, ma vraie question, vu qu'il y a une plaque dessus, est-ce qu'il a une plaque pour faire genre ou est-ce qu'il roule vraiment sur la route avec? A mon avis, s'il roule sur la route avec, il change les pneus arrière peut-être. Ah, je suis curieux de savoir combien elle fait celle-là. Par contre, la Leon à côté, bah faut le dire, j'aime vraiment pas. C'est vraiment pas mon style. Hein. Les flammes sur les fenêtres, les jantes, trop d'angle, en plus elle ressort trop du pneu, j'aime pas. Ouais, je me vois dedans. Ah ouais, ok. C'est pas mon délire. Ah. D'accord. Le souci avec celle-ci, c'est que je sais pas si j'aime bien ou j'aime pas en fait. Parce que le kit est incroyable. La déco est méga originale. Les couleurs sont cool. Mais je sais pas, j'aime pas. Enfin, si, j'aime bien, mais j'aime pas. C'est bizarre. Ouais, bof. Les jantes, bof. Enfin. Petit kit leur sur la série 2, alors la STI Wagon ici, à mon avis elle doit être un petit peu préparée, le BMX au-dessus, ouais le sticker c'est trop pour moi, petit kit leur, giga spoiler, assez gros hein, pourquoi écrire S6 dessus, ah j'avais pas vu mais même sur le vélo il y a les stickers de la voiture en fait, ah, l'ancienne Prélude avec le body kit est sympa, franchement j'aime beaucoup, avec les rétros à l'avant c'est cool. Les vieilles Mercedes comme ça j'adore, surtout avec le porte-drapeau. Et alors le E36 ici, il est dans un noir parfait. Bon, je vois quelques micro-rayures, mais il est très profond, j'aime beaucoup. Par contre, l'autre à côté, les jantes sont trop grosses, elle est trop basse. En fait, je sais pas expliquer pourquoi, mais les voitures avec des jantes trop grosses, trop vides et des pneus trop fins, j'aime pas. Je préfère qu'il y ait beaucoup de pneus. Oh, le spoiler dessus. Oh, une R34. Oh, une R32. Donc, j'avais jamais fait attention à ce détail, mais toutes les Challenger ont... une petite trappe à essence chromée comme ça. R34, j'aime beaucoup, R32. Ah, j'aime beaucoup les jantes sur celle-ci, en plus ça fait vraiment usiné au centre. Ouais, très propre, jantes trois parties. Bah, d'habitude je regarde pas ça parce que je suis un homme de principe, hein, électrique, ça dégage. Mais elle a un kit prior design et je suis vraiment curieux de savoir comment c'est fait. Parce que j'aimerais bien savoir faire des body kits moi-même. C'est là le pack design de base, ça se voit aux ouvertures à l'avant. Ouais, c'est élargi, ok. Ok, ouais, petit spoiler. Ok. Ah, ça fait quand même bien élargi en fait. Ok, ok. Ben perso, je trouve que ça le rend moins moche. Moi, ce que j'aurais peut-être fait, j'aurais peut-être coupé ici pour faire une seule partie. Oh merde, c'est fake en plus. Ah, oh, c'est con ça. Ah, oh, c'est con. Oh bah je viens déjà de cramer une de mes trois batteries, donc il m'en reste deux. J'ai toujours pas fait le côté droit et je suis toujours pas au bout du hangar. Pour vous dire à quel point l'événement de qualité. Très belle Celica et une très belle Corolla d'ailleurs. Donc peut-être que je ferai une vidéo en deux parties. On verra bien. Très belle série 3. En plus j'adore avec les petits détails en jaune quand elle est à l'arrêt dans le phare. Je trouve même que la M3 aurait dû avoir cette face avant là, elle est beaucoup plus belle. Les jantes sont super, bon c'est juste dommage, moi je préfère les breaks. Mais franchement le bleu est très très beau. J'ai envie de voir de derrière ce que ça donne. Oh non, elle est magnifique. Le petit diffuseur, non franchement elle est super belle. En break je suis sûr elle aurait été encore plus belle, plus désirable. Je préfère les breaks. Ouais, c'est le genre de petit détail qui me fait bien rire. Elle, tu lui mets pas un doigt, c'est sûr. Et alors, j'adore sur la Golf ici les jantes style Porsche 944, enfin d'époque. Enfin, les jantes sont d'époque de la voiture, j'aime bien, c'est cohérent. Ah,
toujours aussi belle. J'aime beaucoup le style Polizei. Par contre, ce que j'aime aussi, c'est une petite polo avec juste des jantes roses. Bon, faudrait mettre des cales, ce sera un petit peu mieux. Après, est-ce qu'un jour je ferai un wrap style Polizei comme ça? Je suis pas sûr. Mais ce que j'aime un petit peu moins, ce sont les wraps style caméléon comme ici. Franchement, j'aime pas, j'accroche pas. Je peux comprendre le délire, mais j'accroche pas. Alors ici, l'arrière est vidé, caisson de bosse. La bonbonne pour le air lift. Ah, sympa l'arceau. Et alors aussi, un autre truc que j'adore sur les anciennes voitures, mon Porsche fait un petit peu saucisse, mais c'est la dénomination du modèle sur le côté. Toyota Celica Fastback de 77, GTSI 16, c'est un truc que j'aime beaucoup. Audi S4, et alors j'adore les anciens logos Audi. Ah, je les trouve beaucoup plus beaux qu'avant. Ah, ça c'est une R, parce qu'il y a une petite bande bleue à l'avant. Golf 8 R, j'aime beaucoup les jantes, je les trouve très belles. Bon, là c'est là, avec les BBS à côté un peu moins. Un beau petit radiateur d'huile là, le logo style 50e anniversaire DM, bien large. Ouais, bien large. Bon, je suis pas fan des gens. J'ai déjà l'impression de l'avoir vu plusieurs fois en photo. Et ce que j'adore, c'est vraiment la couleur et les bandes. Bon, les feux arrière, j'aime pas. Persienne, j'aime pas. Mais le design de la voiture en lui-même est super beau. Non, j'adore le set sur le côté, les bandes jaunes, noires, blanches là, j'adore. Il y a un peu beaucoup de découpe dans le capot. Ici, les RX-713B, je l'ai déjà vu plusieurs fois. Mais je ne me souviens plus qu'elle avait un capot en carbone comme ça. Ah, ça c'est de la caisse, hein, RX-7FD. FD3S d'ailleurs, ça se voit par choc. Ah, attends, parce que là-bas au loin, j'ai vu une Yaris GR avec un kit truck et de Bonnie, je vois de la série 8, la série 5, j'adore la face de la série 5, E39. Je pense une de mes BM préférées. Oh, elle est trop belle. Là, il y a de la 406 verte avec des jantes au style très douteux. Mais il y a un petit truc, j'aime bien. Mais j'aime pas les jantes. Ça me fait rire. L'endroit est cool, hein, mais je me demande ce que ça donnera niveau photo parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. Juste ici, on a la toute nouvelle classe C avec des jantes à bâton. J'aime bien en fait, j'aime beaucoup. Ça fait un peu style Maybach classe S, par contre ça doit être chiant à laver. Oh non, j'aime beaucoup, c'est cool. Donc ici la Corrado, c'est une des premières voitures à avoir un système aérodynamique actif, donc le petit spoiler qui se lève et qui se descend à une certaine vitesse. La Golf 5 ici, elle a tout l'avant carbone, et ça c'est du vrai carbone, je le vois. Oh, ça doit coûter un pont. Et alors, j'adore les stickers, comme ça, sur la Golf, le BBS Motorsport. Oh, il est joli, hein. Oh, le baffle dans la Corsa. Aïe, aïe. Oh, bah, une Mégane GT. Franchement, c'est original, j'aime bien, ça change. Par contre, ici, heureusement que je vois que la voiture a un wrap, parce qu'il y a un gamin qui vient avec sa voiture et qui roule dessus sur le capot. Je suis là, ok, la mère, elle dit rien, normal. Ah non, j'aime bien, elle a un style, c'est cool. En plus, ça change les Golf. Ouais, franchement aussi la Fiat elle me fait rire, hein. Mais elle est clean avec l'entrée d'air en carbone Kevlar comme ça, la polo avec les jantes Lamborghini. Oh, j'espère qu'on m'entendra, hein. Oh, j'adore les stickers comme ça, j'aime beaucoup. Mon avis, ici on est dans le meilleur coin. Oh, trop belle 964 avec un spoiler de 993, en plus elle est verte. Ah, oh, ouais, ça c'est mon kiff. Ah, ouais. Est-ce qu'elle est plus belle que l'autre? Je suis pas sûr. Ah, ouais, mais attends, là-bas, je pense que. Putain, je sais même pas. Ah, ouais, c'est une F430 Liberty Wall Cookie. Enfin, je pense, j'arrive pas à savoir. Je pense qu'ici, on est vraiment dans le meilleur coin. Ouah, attends, je regarde partout, je vois de la Supra jaune. Bon, ok, on va se concentrer. La 911, à mon avis, elle fait partie du même garage que celle-là, 811. Par contre, ici, la Lotus Turbo Esprit. Oh, wow, dingue. Attends, c'est du combien les pneus à l'arrière? Dis-moi la taille, 275 à l'arrière. Oh, franchement, celle-là, elle a une dégaine. Mais j'arrive pas à savoir si je préfère la blanche et rouge ou la blanche et bleue. Ouais, non, elle est super belle. Je pense que je préfère celle-là. Ah, oh, j'arrive pas à choisir. Voiture de James Bond, hein, si je dis pas de bêtises. Oh non, trop belle. Waouh. Ah, je sais pas quoi dire. Ouais, non, celle-ci est vraiment magnifique. En plus, avec le wrap satiné. C'est de quelle taille celle-ci, les pneus? 295, donc c'est encore plus large que l'autre. Oh, en plus, elle a le volant du bon côté. Waouh. Oh non, elle est magnifique. Incroyable. Ah, oh, j'adore. Ah, oh, non, là, je suis fan.
Ah, si c'est pas elle qui gagne, je comprends pas. Bah, je sais pas si on m'entendra avec la musique, mais waouh. Rudy Sport, tous les kits sur l'ODTT, le spoiler, j'adore. C'est toujours un très gros travail. J'aime beaucoup. 9,44, magnifique. J'ai une série 7, toute déclassée ici. Franchement, la rouge, elle est incroyable. En plus, ici, on a une coupée, on a une wagon, on les a toutes. Oh, j'adore ce genre de caisse. Le style est fou. Ah ouais, ici, il y a de la qualité. Hein. Le E36, c'est giga propre. Ok, je suis transparent, merci. Du coup, je disais que la E36 était giga propre. Ici, la RCF avec un kit Rocket Bunny. Ah, c'est violent. Hein. Par contre, ce que j'aime pas du tout avec cette voiture, c'est à l'arrière. Le spoiler, il est coupé en deux. Je vais vous montrer juste après. Le Huracan ici, posé au sol. Spoiler, la totale. J'espère qu'on m'entend avec la musique. Certainement un kit Liberty Hall. Ça me fait très rire. La bande LED ici, dans le passage. Mais, ouais. Oh putain, les jantes carbone. Ouais, enfin juste le bord. Ok, mais ça, j'aime pas trop trop. Le spoiler coupé en deux, je suis pas fan. Le diffuseur. Je me demande si c'est une vraie RCF quand je vois les sorties d'échappement. Ah ouais, elle est belle hein, quand même. Ouais, à l'intérieur aussi, les carbone. Ok, ouais. Il y a du level. Hein. Et ici les jantes, ça doit être chiant à nettoyer. Alors ici on a une Acura NSX, attention c'est bien une Acura, pas une Honda, donc c'est une version US. Il y a un kit Liberty Walk ou que sais-je, Rocket Bunny, je sais pas trop. Elle est dingue. Ouais, franchement elle a une dégaine. Bon, juste les roues arrière là qui sont trop inclinées, j'aime pas, trop de camber. Par contre je vais envoyer une photo à Pablo, vous allez voir sa réaction directe. Aloha, Hawaii. Je suis sûr que sa réaction ça va être du style je bande ou un truc du style. Sa réaction est juste là, hop. Et ouais, je connais son homme, hein. NSX-R. Comment c'est NSX-R? Il y a écrit Liberty Walk Europe. Donc en fait je pense que tout le stand ici, le NSX, la GT86, le F430, c'est que du Liberty Walk. Oh elle est folle. Même la Ferrari ici est giga propre, j'adore. Et alors surtout avec le petit spoiler qui est incorporé. Même sur l'aile arrière. Voilà, comme ça, ça fait la continuité, c'est super beau. Il y a pareil sur la F430 là-bas, je montrerai après. R33 Pandem. Oh, elle a une dégaine de fou. Elle a une dégaine de fou, capot carbone, elle large. Bon, j'aime pas trop le camber, ça c'est le souci. Non, c'est dingue. Par contre, la Golf ici. Ouais, elle aussi, elle a un kit large. Super bien fait en tout cas. Vraiment large à l'arrière par contre. Et alors, on dirait qu'il a retiré le capot et qu'on voit juste l'armature du capot. C'est rigolo. Comme ça, on voit tout le moteur. Ah non, il y a du taf ici. Hein. Franchement, le coin ici, à mon avis, ce sont les plus belles pépites. Et encore, j'ai pas tout regardé. Corrado cabriolet, je sais même pas que ça existe. Franchement, vous n'imaginez pas comment je suis content d'être à un événement d'une telle qualité. Franchement, c'est... J'avais pas vu le sang bon dans la voiture. Je suis vraiment curieux de savoir ce que ça donnera quand j'achèterai mon objectif 24mm qui ouvre 1.4, mais qui fait quand même assez fort sombre. Voir la qualité des photos, si elles seront encore mieux. Ouais. Ah, il y en a, ils perdent pas de temps hein, pour monter des vidéos, c'est fou. Très belle Audi A5, joli kit, j'aime bien. Il y a une S3, ça change des RS3. Ici, on a une W8, ça c'est cool, W8, TGTI blanche, sympa. Civic Type R, pas mal non plus. Et alors, ah, attends, là, non, ok, c'est un wrap. Ouais, c'est un wrap, ok, j'ai cru que c'était en carbone. Un petit caddie, j'aime bien les caddies aussi. L'Audi 100L à côté, il y a encore des Cox, quelques Golf. Une ancienne RS en rose, la Passat, sympa aussi. Bon, moi je vais faire quelques photos encore. Bon, bah, j'ai pris 3 heures pour faire tout le tour. Et je ne sais pas s'il y aura une partie ou deux parties. En tout cas, moi je vous laisse sur cette fin de vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu. A plus les vite.